Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Les titres de l'actualité de ce mercredi 10 mars. Pose de la première pierre de l'hôpital général de la CNSS. La Caisse nationale de la sécurité sociale renforce son offre de santé de qualité pour les Djiboutiens. Également dans l'actualité, le candidat indépendant Zakaria Smaïl Farah a déposé ce matin sa candidature auprès du ministère de l'Intérieur. Et dans l'actualité internationale, les premiers vaccins destinés à la population en Afrique, notamment en Tunisie, sont arrivés. Il s'agit des Sputnik 5. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Faire de la République de Djibouti une référence en matière médicale dans la région, telle est l'ambition affichée par le président de la République, Ismaïl Marguélé, lors de la pose de la première pierre du futur hôpital général de la CNSS en présence de nombreux invités et membres du gouvernement. La suite avec Mohamed Abdourahman. Faire de la République de Djibouti une référence en matière médicale dans la région, telle est l'ambition affichée par le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelle, lors de la pose de la première pierre du futur hôpital général de la CNSS en présence de nombreux invités et membres du gouvernement. Le chef de l'État, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadr Mahmoud Haït, ont été accueillis par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, le ministre du Travail et le ministre de la Santé. Aussitôt arrivé, le couple présidentiel a suivi une présentation exhaustive de cet hôpital de la part de la directrice générale de la CNSS, Mme Dera Ahmed, une présentation liée à ce futur hôpital de référence qui sera construit sur fonds propres de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le moment phare de cette journée d'aujourd'hui a été bien évidemment la pose de la première pierre de l'hôpital général de la CNSS où le président a fait le geste symbolique en compagnie des responsables en charge de ce projet, en l'occurrence le ministre du Travail, le ministre de la Santé et la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale. Avec une ouverture prévue en 2023, c'est-à-dire 18 mois de travaux, cet hôpital aura pour vocation à permettre un meilleur accès aux services de santé aux Djiboutiens en misant sur des prestations de grande qualité. Conçu conformément aux standards internationaux, l'hôpital pourra compter jusqu'à 220 lits pour les patients qui seront pris en charge par près de 30 médecins spécialisés. Avec pour ambition de devenir le premier centre de transplantation rénale du pays, l'hôpital proposera plus de 20 spécialités médicales avec des équipements à la pointe de la technologie. Ce projet d'hôpital s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au renforcement des compétences dans le secteur de la santé. Il deviendra à terme un centre hospitalier universitaire afin de proposer des formations de spécialisation pour les étudiants djiboutiens et étrangers. Le lancement de la construction de cette importante structure de santé témoigne de la volonté permanente du chef de l'État, M. Ismaïl Omar Guelle, d'assurer à tous les Djiboutiens des soins de qualité toujours plus performants. Eh bien, cette cérémonie riche en couleurs où le niveau élevé d'animation s'est allié au nombre important de participants à l'événement, la pose de la première pierre de cet hôpital de référence qui sera dirigé par la CNSS s'est déroulée à l'espace dédié à la construction de cet hôpital situé derrière le stade Al-Hadji Hassan Goulet et jonchant la route de Venise. La pose de la première pierre de ce futur hôpital général de la CNSS a intégré un important volet d'animation. Des chansons spécifiquement composées pour cette cérémonie ont été interprétées par les principales troupes artistiques. 4 mars, Haldor, Al-Ghazali, Amina Farah et j'en passe. Dr.
Maintenant, en place aux séries des discours. En premier, la directrice générale de la Caisse nationale de la sécurité sociale, Madame Deka donc Abdi Roblé, a dans son intervention rappelé le besoin ressenti pour la construction de cet hôpital de la CNSS. Elle a en outre rendu donc un vibrant hommage au chef de l'État pour la concrétisation de cette structure sanitaire. Voici ses propos. Cet hôpital, conformément aux instructions du chef de l'État, sera un condensé technique, technologique, qui répondra, si Dieu le veut, aux besoins en santé de nos concitoyens. Il est de mon devoir de rappeler que sans l'avènement de l'assurance maladie, un tel hôpital n'aurait jamais pu voir le jour. Mesdames et messieurs, l'assurance maladie universelle est une chance que nous mesurons chaque jour et qui a été rendue possible par la volonté du chef de l'État. Cette idée, quand elle a germé, il a souhaité la mettre en œuvre, mais elle a reçu beaucoup de critiques. Elle a été beaucoup combattue et je peux en témoigner. Je me rappelle le scepticisme qui accueillait le petit comité de pilotage dont je faisais partie et qui était chargé de l'introduire devant la détermination du chef de l'État et sa fermeté à ne pas transiger sur l'inclusion sociale, nous avons compris que cette mesure avait été pensée avant tout pour les plus vulnérables, ceux dont les ressources ne permettaient pas d'accéder à des soins coûteux mais vitaux. Je conclurai mes propos en disant ceci. Celui qui ne rêve pas ne peut pas tout simplement les réaliser. Il faut d'abord rêver. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous apprendre à rêver grand. Merci, Monsieur le Président, de nous apprendre à rêver d'un Djibouti différent. Merci, Monsieur le Président, de nous donner les moyens de les réaliser chaque jour. Donc, c'était Deka Ahmad Roblé. Et le ministre de la Santé qui a suivi l'intervention de la directrice a rappelé le lien de collaboration existante entre son ministère et celui de son collègue du travail dans le domaine de la santé. Il a également déclaré que le ministère a connu donc des nouveaux stratégies sanitaires. Écoutons. Sur les indicateurs de santé publique sont une réalité et constituent les principaux fruits de la politique édictée par son en matière de la santé
par le président de la République, son Excellence, Monsieur Ismaïl Omar Guelleh, chef du gouvernement. L'espérance de vie a augmenté, la mortalité maternelle et infantile a reculé, l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire largement élargi. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la situation exceptionnelle engendrée par la pandémie de la COVID-19 et les ripostes nationales qui lui a été opposée sous l'impulsion et le leadership du Président de la République ont été unanimement salués par la communauté internationale. À la lumière de cette crise sanitaire sans précédent, nous percevons avec encore plus d'acuité les actions d'amélioration à engager sur les différents piliers des systèmes de santé. Ainsi, la stratégie nationale de santé a été redéfinie au regard de cette nouvelle configuration et les objectifs stratégiques revus à la lumière de l'expérience acquise sur le terrain. C'est dans ces efforts que s'inscrit aujourd'hui la construction du nouvel hôpital de la CNSS, qui sera le reflet de la modernité, de la technologie et de l'excellence en termes de l'offre de soins. Il répondra aux besoins du pays, mais également de la sous-région. Donc, je félicite très sincèrement à mon collègue ministre du Travail, toute l'équipe de la Caisse nationale de sécurité sociale, avec à sa tête sa directrice générale, Madame Deqa Ahmed Robley, pour ce bel accomplissement. Mes derniers mots, je voudrais les réserver à l'hommage que je tiens à vous adresser, Monsieur le Président de la République, face à une crise sans précédent dans l'histoire récente, votre leadership exceptionnel, la proactivité dont vous avez su faire preuve et les décisions courageuses prises très tôt ont évité à notre pays le collapse annoncé par tant d'autres. Je ne peux finalement clore mon discours sans saluer l'accompagnement et le soutien dont nous avons bénéficié de la part de la Première Dame, présidente de l'INFD, Madame Khadra Mahmoud Haïd, pour toutes les questions, je dis bien, relatives à la cause féminine dans le secteur de la santé. Eh bien, en prenant la parole, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Isman Ibrahim Robley, donc, a précisé dans son discours à la cérémonie de la pose de la première pierre de l'hôpital de la CNSS. Il a passé en revue toutes les grandes parties qui seront composées cette structure sanitaire. Voici ses propos. Comporte deux volets. Un volet qui concerne la formation, consistant à former nos spécialistes. Il est financé par la Banque africaine de développement. À ce jour, un premier contingent de 28 médecins est actuellement en cycle de spécialisation au Royaume du Maroc et au Sénégal. Ce contingent comprend 13 médecins de la CNSS et 11 médecins du ministère de la Santé. 29 autres spécialistes seront bientôt envoyés en Turquie pour se former grâce au partenariat établi par la CNSS avec une prestigieuse université de médecine à Ankara nommée Yildirim University. Par ailleurs, en partenariat avec l'Institut supérieur des sciences de la santé, il est prévu de former 200 paramédicaux, dont des infirmiers spécialisés et des aides-soignants. Ces derniers suivront très certainement des formations dans 30 spécialités médicales, chirurgicales et médico-chirurgicales. De plus, pour parfaire la formation dans le domaine de la santé, il est prévu dans une seconde phase du projet de faire de cet hôpital
le premier centre hospitalier universitaire du pays qui permettra de former le futur spécialiste, et c'est dans différents domaines. Le second volet, quant à lui, financé sous forme de prêts par la Banque islamique de développement, concerne la conception, la construction et les équipements. La conception de cet hôpital a été réalisée par un bureau, par un groupement de bureaux d'études français, CICE, CARTA, conformément aux normes internationales. Cet hôpital deviendra une infrastructure indispensable pour répondre aux besoins en soins médicaux. L'hôpital général de la CNSS, étalé sur 30 000 mètres carrés, disposera de 150 lits extensibles à 230 lits et proposera plus de 20 spécialités, notamment des spécialités chirurgicales telles que la chirurgie générale, la chirurgie thoracique, la chirurgie cardiaque ou encore la neurochirurgie. L'hôpital disposera également du premier centre de transplantation rénale dans le pays et permettra dorénavant de traiter les maux de rein de nos concitoyens, enfin, dans notre beau pays, dans notre cher beau pays. Avec cette infrastructure sanitaire constituée d'aménagements au design futuriste et nantie des équipements et technologies de dernière génération en matière d'imagerie médicale, les cancers et tumeurs pourront dorénavant être diagnostiqués et traités ici même à Djibouti, ce qui constitue vraiment une très grande avancée. Il faut souligner, et cela m'est très cher, l'impact social important que ce dernier engendrera par la création des emplois. Vous m'avez suivi. En effet, environ 300 ouvriers participeront durant la phase des travaux qui durera exactement 18 mois. Ensuite, le personnel médical et paramédical formé par le fonds, sur le fonds de la BAD, y trouveront des travails et des emplois décents. Le chef de l'État s'est également exprimé lors de cette cérémonie de la pose de la première pierre du futur hôpital général de la CNSS. Le président Guélé donc a parlé dans la première partie de la politique sanitaire de notre pays. Écoutons le chef de l'État. Salat wa salam ala rasulihi l'amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, c'est pour moi un motif de satisfaction que d'assister aujourd'hui au lancement d'une nouvelle offre hospitalière qui verra le jour très prochainement dans notre pays. Il m'est d'autant plus agréable de voir ce projet se concrétiser car il découle d'une vision plus large qui avait pour origine l'avènement de l'assurance maladie universelle à Djibouti. Mesdames et messieurs, la mise en place de l'assurance maladie universelle étant une réalité aujourd'hui, ce projet d'hôpital viendra compléter l'offre de soins spécialisés qui seront couverts par l'assurance maladie universelle sur le territoire national. En ce sens, ce projet a à cœur de répondre aux inégalités et de faire agir pleinement la solidarité pour offrir à chacun de nos concitoyens les meilleurs soins chez lui. En effet, c'est pourquoi nous sommes réunis ici et ce à quoi nous aspirons pour l'avenir de nos hôpitaux. C'est avant tout d'étendre la solidarité et l'accessibilité sans pour autant faire de compromis sur l'excellence en matière d'offre de soins. Nous le savons, l'excellence de l'offre hospitalière ne se décrète dans aucun pays. En revanche, elle se planifie et se structure avec le temps. Et celle de Djibouti s'est construite autour de trois axes suivants. En premier lieu, la démocratisation de l'accès aux soins de premier niveau qui passe par les infrastructures de soins primaires partout sur le territoire. La construction des hôpitaux dans tout le territoire national a été la première exigence pour combattre le désert médical. C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'hôpital a pénétré nos villages, nos quartiers et nos centres urbains. Ensuite, l'offre hospitalière s'accompagne de la formation
et du capital humain. La faculté de médecine et l'Institut supérieur de santé traduit notre volonté à la fois de disposer des compétences nationales tant en qualité et en disponibilité. Et enfin, elle se construit également avec l'assurance maladie universelle. Cette dernière brique vise l'inclusion sanitaire pour qu'aucun de nos compatriotes ne soit exclu. Il est un instrument majeur de solidarité au service du droit d'accès à la santé. Voilà les trois premiers principaux piliers de notre modèle de santé. Mise à l'épreuve par la crise sanitaire et a montré sa capacité de résilience. Dans la seconde partie de l'intervention du président Guélé, le numéro 1 djiboutien a indiqué que cet hôpital aura donc pour vocation à permettre un meilleur accès aux services de santé aux Djiboutiens en misant également sur des prestations de grande qualité. Messieurs, comme Djibouti sait d'où elle vient en matière de santé, elle ne saurait perdre de vue les nouveaux défis à relever qui s'articulent autour de trois exigences. Tout d'abord, l'exigence d'une qualité de soins qui continue de s'améliorer. Cela passe par la montée en compétences de nos hommes et femmes, et ce, dans tous les métiers divers et multiples de la santé. Le credo est à la fois de combattre la pénurie de compétences et de préparer les compétences d'avenir. Car la demande de soins évolue et l'offre de soins doit aussi évoluer. Et au mieux garder une avance et pouvoir profiter des progrès technologiques en matière d'ingénierie médicale. Ensuite, l'exigence d'une expérience patient réussie. Cela passe par deux leviers. Le premier, c'est le facteur humain, car l'acte de soin est avant tout un acte d'humanité qui doit se cristalliser par une charte de devoirs et de droits entre le praticien et son patient. Le second s'appuie sur le numérique pour bâtir un dossier patient entièrement dématérialisé. Enfin, il s'agit de l'exigence d'une gouvernance renforcée. Cela passe par la professionnalisation et la modernisation du management de nos hôpitaux. C'est pourquoi il est impératif de renforcer la gouvernance hospitalière afin de garantir la performance financière et l'efficacité opérationnelle qui permettra la pérennité de ces précieuses infrastructures. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, le futur de la santé en République de Djibouti est lancé. Un futur où l'excellence sera la nouvelle norme. Cet hôpital en sera le point de départ dans 18 mois. Il s'en suivra dans cette même année le lancement d'une nouvelle maternité destinée à désengorger la maternité principale d'Ar el-Hanan et la construction d'une très grande polyclinique pour le quartier Nassib. Deux ouvrages qui répondront aux nouveaux standards fixés en matière d'infrastructures sanitaires. L'esthétique, la fonctionnalité, la technologie ainsi que le management auront une part belle dans les nouvelles réalisations. Vous l'avez également compris, notre modèle de santé vise à bâtir un système de santé performant et innovant, ancré dans l'humanisme et la solidarité des uns envers les autres. Car s'il y a bien une chose que cette année passée vient de démontrer, c'est que face à la maladie, nous sommes tous vulnérables. Et plus que jamais, nous nous devons de consolider cette solidarité active qui s'appuie sur notre singularité culturelle, sur nos valeurs musulmanes et qui constitue ainsi un des piliers
de notre belle nation. C'est unis et solidaires que nous arriverons à remporter les défis posés par notre temps. C'est unis et solidaires que nous arriverons à atteindre nos objectifs individuels et collectifs. C'est unis et solidaires que nous parviendrons à atteindre les plus hauts sommets. Je vous remercie. Et comme à l'accoutumée, le président Guélé s'est exprimé en langue locale. Le président de la République donc, s'est adressé à la foule, venue donc nombreux, pour assister à cette cérémonie de la pose de la première pierre du futur hôpital général de la CNSS. Voici ses propos. انتا وحن ودالني لقح ما انت لدي دكتور مغعله تياله ددك ودن كان دغن انفعه واحد من لو دونت هاي او يرادو وحا ان انت ودالني اتاسب ما انتنا الهي مهدي وكاسو. Eh bien, le chef de l'État a indiqué que donc, nous avons réalisé la clôture de cet endroit, donc jonchant la route de Venise et qui est derrière le stade Al-Hadi Hassan Goulet. Cette clôture date d'il y a longtemps parce que nous avons œuvré sans relâche à trouver donc, des moyens pour afficher notre ambition, celle donc, de renforcer l'offre de santé de qualité aux Djiboutiens, ce qui a ramené aujourd'hui la pose de la première pierre de ce futur hôpital de la CNSS. Eh bien, le chef de l'État donc, a indiqué que nous voulons que la population djiboutienne ait des soins de qualité conçu conformément aux standards internationaux, et cet hôpital pourra voir le jour dans exactement 18 mois et répondra donc à un meilleur accès aux services de santé du Djiboutien en misant sur des soins spécialisés qui n'étaient pas donc installés dans notre pays. Au total, 20 spécialités médicales avec des équipements de la pointe de la technologie seront donc aménagés dans cet hôpital. Fin de citation. Je vous le dis en titre, un deuxième dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle s'est déroulé ce matin au ministère de l'Intérieur. Il s'agit de M. Zakaria Smaïl Farah, candidat qui est venu avec ses collaborateurs et son directeur de campagne pour déposer son dossier du candidature aux élections du 9 avril prochain. Le ministre de l'Intérieur, Moumine Ahmad Cher, a souhaité à la délégation conduite par le directeur de campagne du candidat Zakaria Smaïl Farah, qui a fourni toutes les pièces administratives pour le dépôt de candidature des élections prévues en avril prochain. Le ministre de l'Intérieur, Moumine Ahmad Cher, s'est rendu donc en fin de matinée au Conseil constitutionnel pour remettre les dossiers de candidature à l'élection présidentielle d'avril 2021. Deux candidats ont déposé leur dossier de candidature au scrutin d'avril 2021. Il s'agit du président Smaïl Omar Guélé, candidat sortant de la majorité, l'Union pour la majorité présidentielle, et le candidat indépendant Zakaria Smaïl Farah qui a déposé son dossier ce matin. Ils étaient plusieurs dizaines de candidats à plancher sur les épreuves du concours des inspecteurs de l'éducation nationale qui ont débuté aujourd'hui au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. Omar Guélé Ahmad, cette année, ce sont quelques 18 postes d'inspecteurs dont pour le préscolaire qui sont ouverts au recrutement. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustapha Mahmoud Mahmoud, et son collègue en charge du travail et de la réforme de l'administration, Ismaïl Ibrahim Robli, ont effectué cette visite dans les salles de preuve du CFEF en compagnie du jury de l'examen, dont notamment le secrétaire général du MENFOP, Mahamada Abdallah Mahyoub, et de l'inspectrice générale de l'enseignement général,
Mouna Ismail Abdouf, ainsi que la directrice générale du Centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, Mme Aïcha Farah El-Tiri. Les officiels ont été satisfaits des conditions de déroulement des épreuves du concours. Dans un mot prononcé à l'occasion, le secrétaire général du MENFOP a rendu donc un hommage au comité d'organisation du concours et a mis les petits plats dans les grands tant que les préparatifs de la tenue des épreuves sont déroulés dans les meilleures conditions. Il a souhaité bon courage aux candidats. L'occasion pour lui de souligner la politique du MENFOP qui tient à renforcer le corps de l'inspectorat dans le but d'améliorer l'encadrement et la supervision des enseignants. Inspecteur, la nouveauté de cette année, c'est que tous les ordres d'enseignement sont représentés dans ces postes à concourir, et notamment les préscolaires. Les préscolaires pour pouvoir couvrir les besoins, puisque le ministère se projette d'étendre dans un premier temps la scolarité obligatoire du préscolaire et puis de le généraliser dans les moyens termes. Et donc, ce matin, nous avons visité les salles des classes pour s'enquérir du bon déroulement de ce concours. Et alhamdoulilah, nous avons constaté que tous les candidats sont présents et les choses se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Ce recrutement donc de concours d'inspecteurs répond à cette volonté du président de la République d'offrir à nos compatriotes une éducation de qualité inclusive et pour tous. Aujourd'hui, permettra, Inch'Allah, de pouvoir renforcer le corps d'encadrement et de supervision de manière à atteindre les objectifs qui nous sont assignés dans la feuille de route du président de la République. L'actualité dans les régions de l'intérieur ou dans le cadre dans les régions de l'intérieur de notre pays, dans le cadre de la lutte contre la soif, le ministère de l'Agriculture a octroyé aujourd'hui un camion citerne pour la sous-préfecture de Karta et Leïta dans la région d'Arta. Cérémonie d'octroi qui s'est déroulée au sein du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la mer, chargé des ressources hydrauliques, et a vu la participation du ministre en personne. L'octroi de ce camion permettra de répondre aux besoins urgent d'approvisionnement en eau des populations de la région d'Arta, notamment les localités de Leïta et de Karta, en ce début de période d'été pour faire face à la pénurie d'eau liée à la diminution de la nappe phréatique et au manque de pluie. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Mer et chargé de ressources hydrauliques, Mohamed Ahmed Awale, s'est exprimé en ces termes. Le cadre de la lutte contre la soif, et en attendant qu'un projet d'adduction d'eau potable puisse être fait à Karta et à Leïta, à partir bien entendu des forages de Koussour-Koussour, je tiens provisoirement à remettre la clé d'un camion citerne de 12 000 litres au préfet d'Arta, M. Cheikho. Merci. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous l'ai dit en titre, donc en ce qui concerne les vaccins Pfizer et BioNTech prévus à mi-février dans le cadre du dispositif COVAX qui sont attendus dans les jours qui viennent. Les premiers vaccins destinés à la population de Tunisie ouvriront la voie à la campagne de vaccination qui doit démarrer ce week-end. Quatre cartons contenant 30 000 et 500 000 doses de vaccins russes Sputnik 5 achetés par la Tunisie sont arrivés et seront repartis dans les centres de vaccination de ce pays et destinés en priorité au personnel soignant. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.